Hey, hey, salut à toi et bienvenue pour un nouvel épisode de Rogue Light, toujours dans le cadre du Rogaton. Et aujourd'hui, nous allons parler de Book of Demons, un jeu qui est sorti sur Switch il y a peu de temps, mais qui était disponible sur PC d'abord en accès anticipé, puis une sortie complète en 2018, je crois, ou peut-être début de l'accès anticipé 2018, je confonds peut-être, développé par Think Trunk et édité, en tout cas sur Switch, mais peut-être sur les autres plateformes, par 505 Games, qui m'ont fourni de la clé pour le jeu, donc merci à eux. C'est quoi ce jeu? C'est un jeu alors qui peut avoir des mécaniques roguelike, mais en soi qui peut aussi ne pas en avoir, puisque faut choisir le mode roguelike pour avoir des mécaniques roguelike de mort permanente. Et ça mélange de l'exploration de donjons, mais avec des mécaniques de jeu quand même assez particulières. D'ailleurs, le jeu vous le dit, hein. Prêtez bien attention au tutoriel au début, car ce jeu ne marche pas comme d'autres jeux d'exploration de donjons. Donc il a quand même ça, une grosse part d'originalité, à la fois sur son apparence, parce que tout est en papier, ça c'est assez marrant, je trouve. Tout est comme un livre que tu ouvres avec des qui se déplie, là, comme un diorama. Et j'ai toujours été fan de ce genre de livre, donc je serais très très cool. Et les mécaniques de jeu finalement se rapprochent plus d'un presque d'un clicker. C'est jeu, tu sais, où tu fais finalement pas grand chose et il y a des choses qui se passent en fond pendant que toi tu fais autre chose. Même s'il faut être assez attentif, hein, j'ai l'impression dans ce Book of Demons, faut pas faire autre chose en même temps, faut pas genre prendre son café en même temps. Bref, on y va. Alors d'évidence, l'ambiance du jeu et globalement l'histoire se rapproche d'un Diablo qu'il prend un peu en parodie avec un peu plus d'humour, puisque dans la cinématique d'intro où on présente le donjon que vous allez explorer jusqu'à aller en enfer, on voit le démon dans une rivière de lave ou de flammes avec un petit canard en plastique, mais qui porte un petit collier à pic, pour que ce soit quand même un peu métal, parce que quand même c'est le démon quoi, faut pas déconner. Le son du jeu semble tout à fait pas fort, donc je vous montre ça. Et vous me direz si c'est trop fort, s'il vous plaît, dans le chat. Merci beaucoup pour ceux qui sont là en direct. Et puis voilà. Dans le village, globalement, on peut échanger des cartes, ah bon? J'aimerais que tu me mettes pas la description et que je puisse lire ton texte pour savoir ce que c'est changer une carte, mais c'est pas grave. On peut utiliser le chaudron, mais le jeu de façon vous dit quand le chaudron est prêt. C'est des ingrédients qu'on récupère dans le donjon qui vont dans le chaudron et on peut soit les laisser mijoter pour faire mettre plus d'ingrédients et choper des meilleurs objets, soit les récupérer dès que le chaudron est disponible et qu'on a de l'argent pour le lancer. La mécanique de ça c'est quoi? C'est que si vous mourrez, je crois que le chaudron se vide. Mais de toute façon, à Mogre Lake, si vous mourrez, vous pouvez quand même revenir à la vie si vous avez assez d'or d'ailleurs, me semble-t-il, mais restaurer le mana. D'accord, c'est gratuit, très bien. Mais si vous n'avez pas assez d'or, la partie elle est finie. Ok, viens, on va dans le donjon parce qu'il y a plein de choses à expliquer. Zou! Donc, le jeu, comment qu'il marche? On commence tout en haut dans la ville, et ça j'aime bien parce que tu vois, tu scrolles le donjon avec le. Tu fais défiler le donjon avec le stick droit, et si tu remontes tout en haut, tu reviens à la ville. Et donc, ça marche par étage. Chaque étage finalement est un petit donjon, chaque étage est un peu une petite partie. Et d'ailleurs le jeu vous le dit, et vous le propose, je sais plus si c'est quand vous lancez le premier étage ou s'il va me le reproposer à chaque étage, mais le jeu a quand même une mécanique intéressante de respecter le temps du joueur et de vous dire à peu près, et le jeu l'affinera au fur et à mesure que vous jouez pour vous dire combien de temps ça va vous prendre pour faire un étage. Et ça c'est chouette, je trouve ça très très cool. Alors après une partie complète ça va prendre 1000 ans, voilà. Parce que c'est très très long, et donc c'est pas le but de faire ça maintenant, mais on va essayer, je sais même pas si on va aller jusqu'au premier boss, parce que c'est assez long, on va voir combien de temps ça nous prend. Et ouais, donc le jeu vous propose, quand vous lancez votre exploration, de choisir la longueur des étages, donc plus c'est long, plus tu vas choper de trucs, mais en même temps, plus ça va te prendre de temps, et plus ça va être difficile. Donc il y a ça, il y a aussi des modes de jeu de difficulté, donc là j'ai choisi le plus élevé qui est le mode roguelike, et donc il y a pas mal d'éléments, pour adapter la partie à le temps que tu veux y administrer quelque part. Et ça, c'est chouette. Ah ben voilà, c'est là, c'est au début de chaque nouvel étage. Donc je peux choisir. Ah, on veut que ce soit tout petit. Je pense que je vais faire ça. Et on va essayer d'aller au boss du coup. Et donc le flexiscope me dit, voilà, comment tu joues d'habitude et combien de temps ça va te prendre pour faire l'étage. Et ça, je trouve ça cool. Donc si je choisis très petit... Bah là, globalement, c'est qui kiffe les deux. On va faire très petit. Hein. Voilà. Allez-y. Et donc, là, je vais explorer deux étages. Un avec, bah voilà, les ennemis sont présentés. Il y aura quand même des petits boss, là, je vois. Les ennemis qui sont
dans le noir, c'est soit que je les ai pas vus, soit que c'est des boss, je pense. Bref, on y va. Attention, vous n'avez pas assez d'or pour revenir à la vie. Oh mince! Mais je crois que c'est parce que je suis dans le mode roguelike, de toute façon. Et ça, c'est la tête du démon qu'on doit tuer à la fin. Voilà. Et donc, dans ce jeu, je déplace mon... D'accord, je continue à introduire des nouvelles mécaniques. Ok, je pensais les avoir toutes vues. Donc je peux laisser mon perso sans bouger pour qu'il tape pas tout seul. D'accord. Cliquez avec L pour mettre les objets en surveillance. Ok, oui. Donc, mon perso, il se déplace sur... une trajectoire préétablie. Hein. T'as vu, le couloir, là, c'est vraiment un couloir, quoi. Je peux pas me déplacer où je veux. Donc, je suis le couloir. Je pète. Zut, c'était explosif, ces deux trucs, c'est dommage. Je pète les petits poids avec Y. Et après, chaque ennemi va un peu avoir sa mécanique qui lui est propre. C'est là que c'est quand même assez intéressant. C'est que globalement, mon perso, il tape tout seul et je peux tapoter avec A pour taper plus vite. Mais lui, il avait un bouclier, donc il fallait aussi tapoter avec B. Heureusement, j'ai gagné un niveau parce que cet archer qui est pile sur ma ligne droite, je ne peux pas l'esquiver, du coup, je me fais taper. Et ça, c'était malheureux. On a ouvert un coffre, il n'y avait rien dedans. On avance. Hop, on pète le bouclier avec B et on tape avec A. Donc c'est là, tu vois, que je dis, c'est des mécaniques de clicker, parce que globalement, c'est quoi? C'est tu te déplaces en faisant A, 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 A pour taper les ennemis, mais de temps en temps, faut pas oublier d'appuyer sur d'autres boutons, quoi. Oh la vache, toi, t'as généré d'autres trucs? Des espèces de vaches empoisonnées explosives? D'accord. Les mecs avec les cœurs vieux verts sont des mecs empoisonnés. Et donc, quand ils vont péter, paf, ils font une grosse onde de poison, et ça, c'est pas chouette. Et donc lui, en plus, il invoque d'autres ennemis en mourant, c'est pas cool, hein. Donc en haut à gauche c'est mon heure actuelle, en bas j'ai donc mes PV, là j'en ai déjà plus que 9 parce que bah, ça a mal commencé cet étage. Et à de plusieurs reprises, puisque j'avais perdu des PV, j'ai regagné des PV en gagnant un niveau, puis j'ai reperdu des PV. Et ça c'est pas chouette ça. On ouvre ce sarcophage. On ouvre ce coffre, il est tout brillant, ça doit être vraiment bien. Oh bah oui, ça m'a redonné des PV, ça m'a redonné de la mana, c'est trop cool. Ok. Quoi d'autre à décrire? Alors, tac, là j'ai la carte de mon perso. Je peux gagner un niveau, alors je vais le faire. Un PV plus ou un mana plus? Plutôt un PV pour l'instant. Parce que je n'utilise pas beaucoup de mana. Le chaudron, il n'y a rien dedans, donc je m'en fiche. Je suis un guerrier novice de niveau 5. Et le petit truc rigolo, je disais que c'est un peu une parodie de Diablo, ce truc, et parodie de RPG en général. Parce que dans les stats, tu as des statistiques notamment très importantes comme la chance de contracter la diarrhée en buvant à une fontaine, la chance de tomber en marchant dans les escaliers, 0%. Je sais vraiment très très bien monter les escaliers, ou descendre les escaliers d'ailleurs. La mauvaise direction dans le labyrinthe, ça je pense que c'est peut-être une vraie stat celle-là. Et du coup quand tu vas tout en bas, le blocage d'ennemis gauchers, 0,07% seulement. Chance de toucher les yeux fermés, 92%, et nombre de fausses entrées dans cette liste, 14. Donc du coup voilà, c'est un jeu qui est assez rigolo du coup. Ah c'est pas hilarant, mais moi j'ai trouvé ça marrant quand je suis tombé dessus. Et donc globalement hein, tout est fait pour que l'exploration se fasse assez vite. Hein. T'avances, tu tapes, t'avances, tac tac tac, tu pètes les trucs. C'est vraiment déjà que Diablo c'est la simulation de cliquage intensif, je te rappelle ça comme ça. Genre clic 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 clic, j'avance, je tue des monstres, clic 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 clic, je bois une potion, clic 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 clic, j'avance, bah là c'est pareil. Et en plus tout est fait pour que la progression soit fluide quoi. Tu sais combien de temps va te prendre un étage, t'avances, tu sais si t'as tout exploré dans l'étage ou pas, parce que en haut, tu as les icônes des points d'intérêt qui te restent, enfin des points vraiment intéressants qui te restent à trouver, pas juste des sarcophages pour choper un pot d'or globalement, ou des petites poteries, mais vraiment des... les points d'intérêt, et puis 3, je crois que c'est... voilà, j'ai pas cassé 3 poteries sur l'étage, bon globalement, on s'en fiche. Donc ça c'est bon, la jauge de vie, la jauge de mana, donc à gauche et à droite respectivement, c'est comme dans Diablo, ça c'est... ça a pas bougé. Ensuite, tac, c'est un jeu à base de mécanique de cartes, l'équipement, les sorts, les objets sont tous à base de cartes. On commence la partie avec 3 emplacements de cartes, et on en débloque par la suite. Moi j'en ai débloqué un de plus, ça coûte quand même très cher de débloquer des emplacements de cartes supplémentaires. Et donc là j'ai équipé des bottes. Voilà, alors les bots c'est de l'équipement, et donc l'équipement ça prend de la mana et ça bloque la mana, c'est à dire que habituellement j'ai 8 points de mana mais j'en ai déjà 3 bloqués par le fait que j'ai équipé les bots. Et après les 5 points restants c'est pour utiliser des magies comme par exemple, tac, mon soin que je vais utiliser maintenant,
Voilà, et pour les objets qui peuvent être utilisés, c'est les cartes qui sont un peu surélevées par rapport aux autres, donc potions de santé et soins. Soins, bah, c'est écrit avec l'icône, c'est un point de mana, et les potions de santé, j'en ai 4. Mais du coup, bah, j'en ai que 4, quoi. Voilà, voilà, voilà pour les mécaniques de jeu. Les petits points, les petits pieds qui apparaissent par terre, c'est pour me dire si j'ai tout fait sur ce trajet-là ou pas. Donc tout est fait pour faciliter la vie de l'explorateur, quoi. Et ça, c'est chouette. Maintenant, c'est un jeu qui... Ben voilà, les parties vont être très très longues. Pourquoi je... Bah, comment que ça marche? Hein? Quoi? Hein? Pourquoi? Bah pourquoi? Mais moi je veux... Qu'est-ce que... Il y a une mécanique qui m'échappe, en fait je ne peux pas passer. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai laissé un... Donc voilà, ça je sais qu'on peut faire comme ça. Pour revenir dans l'étage par la sortie. Mais c'est quoi? C'est parce que j'ai pas tué tous les ennemis? Bah... Bon, alors on va réexplorer cet étage. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je peux pas explorer la suite. Tiens. Blessed be the hour. Niveau terminé. Ah, d'accord. Et ouais, t'as essayé de te casser, mais t'avais pas le droit en fait, c'est ça? Ah. Quoi? Mais je suis coincé! Mais... C'est une sorte de bug. Oui, non mais ma situation s'est pas améliorée, je suis coincé. Mais non! Il y a une touche pour passer la porte! Ah bon? Je suis si bête que ça? Non! Il fallait mettre le curseur dessus. Ok, super, bravo Justice. Mais quel génie ce mec. Alors là, je suis pas bien. Voilà, parce que notamment, il y a des ennemis empoisonnés, je suis à côté. Ah non. Bah dis donc. Mais quelle horreur. D'accord, il y a un boss. Oh bah c'est super. Au secours. J'ai trouvé quelque chose. Un collier en dents de mimique. Non, une relique de rage. Eh bah, très bien, accéder aux cartes, je vais peut-être l'équiper. Ah, ça fait... c'est 8 pour l'équiper, du coup... Ignore les dégâts électriques, Je vais enlever ça, je vais mettre ça. Je peux pas, parce que j'ai pas assez de mana, très bien. Alors, très bien. Alors, très bien. Mon sort de soin a contrecarré le poison, c'est parfait. Super. Donc, maintenant la grosse bête. Alors, ouvre le coffre, pourquoi pas. Prends les cœurs. J'ai mis des trucs dans le chaudron et on tape le boss. Ok. Ok, ok, ok. Ah, j'avoue que ça, au stick, c'est pas très pratique. Hein. C'est sûr qu'avec une souris, ce serait mieux. Mais on doit l'utiliser relativement rarement, globalement. Donc c'est pas très grave. Donc les boss, pardon, j'ai oublié d'écrire la mécanique de boss qui est assez particulière aussi. Les boss ont des phases. Pendant qu'ils changent de phase, on peut pas les taper. Chaque phase a ses particularités. Donc il y a des petits symboles en haut pour me dire ce que vont faire les phases. J'ai pas pris le temps de repérer quelle phase faisait quoi. Mais ça a l'air trop bien, mais j'ai pas assez de mana. Faut que je prenne des niveaux de mana. Non, je veux pas aller là. Tiens, un ennemi qui sort de l'escalier, mais c'est pas gentil. Donc ouais, les boss ont des phases, et donc ça peut être invoquer des monstres, ça peut être plein de choses. Voilà. Ça peut être plein de choses, bravo. Quelle éloquence. Vraiment une belle description des mécaniques de jeu. Ouais, dans le jeu, il peut se passer des trucs et des machins, et puis on tape des monstres. Voilà, si t'as des questions, hein, pose-moi sur mon Twitter. N'importe quoi. N'importe quoi. Ok. Allez, pète-moi tous ces machins. Cette pièce d'or était dans une petite... une petite pile d'excréments. C'est intéressant. Et on a trouvé un bouclier. Ah, je peux l'équiper direct. Vlan.
Chouette. Cool. Ok. Cet ennemi a été caché dans une poterie. C'est tout à fait incongru. Ouais, on a tout nettoyé d'abord. Tiens, soigne-moi, toi. Voilà, et on se casse. Et oui, quand on gagne un niveau, tous les ennemis ont un cœur en moins pour l'étage en cours, je crois. Ou tous les ennemis à l'écran, je ne sais plus. Mais oui, il y a cette mécanique aussi. Ok. Mana. Vlan. Super. Bientôt, on pourra mettre le fléau gelé. Haha, trop bien. Et pouf, fin de l'étage. Voilà, ça c'est un étage de Book of Demons. Ok, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ouais, on va pas faire jusqu'au boss. C'est mort, sinon on va passer encore 2 heures ici. Le chaudron. Alors. Bah écoute, 4 trophées pour 850, vas-y, je le fais. Vlan. Donne-moi tout. Qu'est-ce que c'est, quoi, trophée d'argent. Je contiens 3 trophées de bronze. Vlan. De l'argent et de l'argent. Inutile au possible. Ça m'a coûté de l'argent de faire ce truc et tu me redonnes de l'argent. Quelle arnaque. Ah, par contre, ça c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Rune lunaire. Ce type de carte peut être utilisé pour améliorer d'autres cartes. Donc ça va être chez... chez elle. Améliorer une carte. Donc... Apparemment, je ne peux améliorer que celle-là. Ah, il faut plusieurs runes. D'accord. Eh ben, écoute, je sais que je peux pas le faire. Donc, en avant! Le jeu a quand même une qualité de production qui est assez étonnante pour un jeu indé. Hein. C'est tout doublé, ça tourne super bien, c'est tout joli, tout est fluide. C'est chouette. Restaurer la vie et la vanne. Ouais, attends, j'ai oublié de faire ça, je crois. Ah, j'ai débloqué des trucs. Ah, c'est des nouveaux persos. Ouais, mais moi je joue le guerrier, je vais pas relancer une partie. Et donc, toi. Voilà. 20 balles. Ordure. Ok, j'ai 2 points pour me soigner et le reste c'est de l'équipement. C'est pas mal. On s'en refait une petite. J'ai pas du tout envie de faire une partie moyenne, je vais faire une partie très petite. Ouais, l'autre, il a une toute petite partie. Ouais, bah écoute, c'est pas la taille de la partie qui compte d'abord. En avant. Bien. En avant. Et je pense qu'on va se faire un autre étage, et je pense qu'après vous aurez à peu près compris les mécaniques du jeu. J'aurais bien aimé voir un boss, mais pour ça il aurait fallu que, avant de lancer l'enregistrement, j'avance plus une partie qui soit pas loin du boss, quoi, parce que ça prend quand même longtemps d'aller au boss. Et toi, tu veux pas te réveiller, là? Attention, des vaches explosives empoisonnées. Je pensais pas dire ça dans un jeu un jour, mais... Ok. Tu veux pas te réveiller, toi? On sait tous que tu vas te réveiller quand je vais passer à côté de toi et que tu vas mettre un coup dans le dos. Eh ben voilà. Ok. Soin. J'ai bloqué une flèche, c'est bien. Ok, attention à l'explosion. Alors l'explosion peut tout à fait empoisonner d'autres ennemis. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en bas à droite. Vous avez vu les ennemis à côté de leur barre de vie. Ou un petit crâne vert pour dire « Ah, ils sont empoisonnés !» Et du coup, ils sont morts du poison. Et ben moi, je suis content parce qu'ils sont morts. Et ça, c'est bien. Voilà. Alors plutôt, dans ce regaton, je disais... Il y a donc certains des jeux que je vais présenter qui ont des modes de jeu roguelike, ce qui est chouette parce que souvent c'est des modes de jeu plus durs mais où les parties sont plus courtes. Bah dans ce Book of Demons ça va pas du tout d'être le cas, ça a l'air d'être vraiment le mode hardcore où ça va pas prendre moins longtemps d'aller au bout, par contre si tu meurs, tu meurs. Et ça, ouais, ça, voilà, c'est pas cool parce que faire une partie de je sais pas combien de dizaines d'heures ou quand t'es mort, c'est pas chouette. Alors après, dans ce jeu là, je dis quand t'es mort, mais en fait si t'arrives à avoir suffisamment d'or sur toi, bah t'es pas forcément mort. Ah, faut le stopper. Alors là, je sais pas si vous avez vu, il y avait un petit B sur l'ennemi quand il était en train de faire son incantation, et ça c'est important pour les ennemis qui font des sorts, donc certains boss ou cet ennemi là qui est un sorcier, c'est qu'on peut les interrompre pendant leur incantation pour éviter qu'ils invoquent un autre ennemi, etc. Et ça c'est important, et je l'ai pas bien fait, et bah du coup voilà.
Qu'est-ce qu'on a laissé traîner? Ah, il y a un truc qui brille là-bas à gauche. Le jeu me dit où c'est. Hein. Encore une fois, tout est fait pour que ce soit pas fastidieux d'avancer. Donc c'est, je pense que ça doit être un jeu assez satisfaisant pour aller au bout. Parce que même si c'est très long, tout est fait pour que ce soit pas chiant, quoi. Pour te montrer les trucs que t'as ratés, qu'est-ce que t'as chopé dans cet étage, est-ce que t'as tout fait ou pas, ou est-ce que c'est vaguement pour pas que tu passes 2 heures à explorer un étage qui t'as vidé de tous ses ennemis et t'as laissé genre un petit pot sur le côté. Donc ça, c'est très chouette. Et vraiment, encore une fois, c'est en termes de qualité de production, c'est assez foufou, hein, je trouve. Hein. Je peux cliquer sur l'icône de sortie pour me TP. Ouais, okay. J'avais déjà lu tout à l'heure et j'ai oublié de le faire, désolé. Je vais essayer d'y penser cette fois, si je dois retourner dans l'étage, après avoir tout exploré. Mais donc ouais, globalement, je pense que le jeu s'inspire du premier Diablo, tout en ayant intégré un certain nombre d'améliorations de qualité de vie, ou en ayant fait ses propres améliorations de qualité de vie, parce que moi, depuis Diablo 2, j'ai pas joué à un Diablo, pour que ce soit vraiment pas pénible et pas fastidieux d'explorer des étages qui se ressemblent un peu, avec un peu tout le temps les mêmes ennemis, etc. Et tu chopes des nouveaux équipements, des nouvelles magies, un peu tout le temps, tu débloques des nouveaux emplacements, tout est fait pour que tu aies envie de pousser un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et sur ce plan-là, c'est vraiment un jeu qui... attention, il invoque! C'est bon. Donc c'est rester appuyé sur B, c'est pas appuyé plusieurs fois sur B. Okay. Je suis empoisonné à 4 de poison, c'est pas gentil. Ok, ça c'est esquivé. Donc on va se soigner. Zou. Ouais, tu t'es téléporté dans mon dos, toi. Coquinette. Voilà. Est-ce que je vais montrer Hydracula Genesis? Non, parce que j'ai déjà commencé un let's play sur Hydracula Genesis. Je sais que le jeu est sorti en accès anticipé hier, mais je pensais pas le faire. Par contre, je pense que dans les lives de la semaine prochaine, et il devrait y en avoir quasiment tous les jours, il y en aura beaucoup. Il y aura beaucoup de ça, de Cave Blazers et de Gloom. Et d'autres jeux peut-être aussi, sûrement. S'il y a un cercle autour d'un boss, c'est qu'il est immunisé. Mais ça, c'est pas bien, ça. Et pour enlever l'immunité, il faut rester à l'intérieur du cercle. D'accord. Très bien. Alors, les ennemis qui ont... un nez. Eh, je suis à. Non, non. Ah, voilà. Laisse-moi partir. Merci. Les ennemis qui ont des traits entre eux, je sais plus ce qu'ils font. Ah, la vache. Je suis coincé au milieu des ennemis explosifs empoisonnés. C'est pas gentil. 10 points de poison, mais c'est beaucoup. On va se mettre sur la potion de soin parce que je pense que j'en aurai besoin dans ce combat. Il y a un mec qui arrête pas d'invoquer des trucs. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Bah, c'est toi en fait. D'accord, très bien. Aïe, aïe, aïe. Ah mais quand t'es dans une ligne droite et que le truc te tire dessus, tu fais comment en fait? Ah! Foutez-moi la paix! On a tué le boss. Très bien. Donne-moi de... ah, j'aurais dû attendre le poison pour me soigner, c'est bête. Bon, en même temps, c'est le deuxième étage là, donc on va retourner en ville pour se soigner. Il y a un autre invocateur. Ah, je l'ai vu. Il l'a vu trop tard, mais il l'a vu. Aïe. Ok, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Voilà, on tue le maître des zombies. Excellente carte dans Magic d'ailleurs. Et on avance. Attends, il y a de l'or. Bon, c'est pas grave, on retournera là après. Tac, tac, tac. C'était quoi ça déjà? Mon dieu, les vaches! Tu sens que c'est un hommage à Diablo parce que le trip des vaches, c'est un truc de Blizzard à fond, quoi. C'est un point de mana max que ça m'a donné là. Mais c'est trop bien. J'ai gagné un niveau. Mais c'est trop bien. Ah, du coup, d'où je peux pas encore mettre le truc qui gèle avec les attaques et autre chose. Mais presque. Et donc il me reste ce petit machin d'or. Et voilà. Zoupi d'où. Super. Super duper. On n'est pas mort, on a complètement nettoyé, on a tué tous les ennemis et on a fait plein de choses super bien. Ouais, voilà. Et ben voilà, ben je pense que je pourrais pas mieux présenter le jeu que ça. Après les autres mécaniques, je les découvre en même temps que je les vois, donc... Enfin, je les découvre en même temps que je les décris, donc c'est pas...
C'est pas hyper optimal. Très bien, on peut améliorer la potion de santé, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Elle me donne déjà tous mes PV, donc voilà. Le carré, c'est-à-dire n'importe quelle rune, d'accord. Très bien. Très bien. Voilà. Merci, madame. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà, ça, c'est Book of Demons. Ça coûte cher. Ok. Ça, c'est Book of Demons. Écoute, c'est le dungeon crawler à l'état brut. Enfin, à l'état brut. C'est vrai que c'est que de l'exploration de donjons, quoi. Avec de l'équipement qui prend la forme... de l'équipement des objets et des magies qui prennent la forme de cartes. Je dois avouer que pour un jeu indé, un tel niveau de cohérence et de qualité de production, c'est rare. C'est rare qu'on ait un jeu aussi bien fini, que ce soit dans le choix de ses mécaniques, la cohérence des mécaniques, encore une fois, les petits trucs de qualité de vie pour le joueur. Je sais pas comment était le jeu lors de son accès anticipé, mais en tout cas, si tout ça a été fait lors de l'accès anticipé, ça c'est un accès anticipé qui a été extrêmement utile, parce que le produit final est juste d'une très grande qualité, quoi. C'est vraiment chouette. Voilà, donc c'est disponible sur Switch, c'est disponible sur PC, je crois que j'ai vu Xbox One aussi, alors je sais pas si c'est dans le cadre des Games for Windows, parce que de toute façon sur Xbox One, je crois que tu peux jouer à beaucoup de jeux qui sont sur PC. Et puis, il y a un spin-off du jeu, qui est prévu pour la fin de l'année, qui s'appelle Book of Demons Hellcards, qui est aussi un jeu d'exploration de donjons, à base de cartes, mais vraiment plus construction de deck que équipement sous forme de cartes, qui peut se jouer en solo et en multi. Je ne sais pas si c'est en ligne, je ne sais pas si ça sortira sur autre chose que sur PC, mais vu la qualité de ce premier jeu Book of Demons, ça m'étonne pas que les développeurs continue sur cette franchise, et j'ai hâte de voir les autres jeux qu'ils peuvent faire. Et puis alors après, c'est vrai que moi, passer autant de gens sur un jeu comme ça d'exploration de donjons, quand on voit tout ça, ça me décourage d'emblée, tu vois. Surtout pour un jeu qui a des mécaniques roguelike, c'est dur. Après, c'est vrai que c'est fait avec un tel respect du temps du joueur et du fait de pouvoir choisir la durée de chaque étage, etc., que même si le jeu au final est très très long, c'est très appréciable. Après, c'est clairement un jeu où le but, c'est d'aller au bout. C'est pas tellement d'avoir de la variabilité dans les parties, etc., quoi. Mais écoute, voilà, je voulais vous le présenter parce que c'est vraiment rare dans les jeux indés qu'il y ait un tel niveau de finition, de fioriture, d'avoir pensé à des petits détails pour que le joueur soit pas frustré. Et vraiment, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de jeux qui soient comme ça, en fait. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir ce jeu, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très vite pour un autre jeu. Et pour la suite du Rogueton. Portez-vous bien, ciao ciao.